Amis d'Haïti et de l'étranger, bien le bonsoir politiquement, socialement et économiquement. Heureux de vous retrouver professionnellement et objectivement à l'heure de votre émission de prédilection et imbattable, Blocus. Alors, Blocus, on se le rappelle, est une émission sociale, politique, économique, juridique, civique, scientifique, ésotérique, philosophique, technologique et culturelle. Elle vous est présentée en direct, bien sûr, et simultanément du lundi au vendredi de 4h à 6h PM sur la chaîne 2, le réseau mondial du savoir et de la connaissance, 106.5 Storm FM, la fréquence de la méthodologie et de la pédagogie. Nous sommes bel et bien live et sur YouTube grâce à notre channel Blocus. Alors Blocus, ça s'écrit BLOCUS. Merci de nous être toujours fidèles à l'heure de la fidélité du savoir et de la connaissance. Et merci de votre précieux et indescriptible attachement à Radio Téléstorm, la tempête de la vérité, de la rigueur, de l'étiquette, de l'équité, de l'équilibre et du professionnalisme. C'est quoi la saine doctrine? Quelle différence peut-on faire entre doctrine et dogme? Comment s'appelle-t-on et la doctrine de Dieu? Et comment peut-on définir la piété selon la Bible et quels sont les actes de piété? Le pasteur théologien Jean Stevenson Condé, notre invité ce soir à Blocus, alors il va répondre à nos questions depuis la République dominicaine. Bonsoir bibliquement et théologiquement, pasteur Condé. Bienvenue à Blocus, l'univers de la formation, de l'information et de l'éducation, bien sûr. Nous saluons encore pasteur Condé. Bonsoir, peuple haïtien, et bonsoir, PRG. Nous saluons Frère Nou Balbito, Frère Nou à Jésus-Christ. Nous avons une grosse salutation pour Madame Manouchka, avec toute staff Blocusa qui a fait un travail qui est impeccable, qui touche tout le monde à travers le monde. Nous disons, peuple haïtien, nous, qu'en est fait Mavel, dans un moment difficile à traverser, hein? Nous connaissons que Jésus-Christ, il y a une solution. C'est encore une occasion très favorable et vraiment important pour nous porter émission ça aujourd'hui, qui c'est la saine doctrine de la piété, côté qui nous pral montrer à la lumière de la parole, qui ça qui doctrine de Dieu ou la saine doctrine, et qui ça pour nous suivre, pour nous trouver nous dans la saine doctrine. Encore une fois, c'est notre frère, homme de Dieu pays d'Haïti, le pasteur Jean Stevenson Condé, qui vient porter très belle émission ça pour nous aujourd'hui. Nous saluons nous encore une fois dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pasteur Condé, sans transition, on commence non. Et qui ça, sainte doctrine? Non, yo dit sainte doctrine ou bien la sainteté? On allait. Salut. Ok, on dit la sainte doctrine ou doctrine de Jésus-Christ. Donc, la sainte doctrine, c'est doctrine qui est dans la Bible. Selon Éphésiens chapitre 2, le verset 20, il dit clairement que vous avez édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Donc, la saine doctrine de Jésus-Christ, c'est enseignement que Jésus-Christ bail à apôtres pour transmettre à travers les écrits de l'apôtre Paul, de pour commencer dans l'acte des apôtres ou dans la saine doctrine. Donc, saine doctrine, ça, si un monde ou pas dans vrai enseignement apôtre là et Jésus-Christ, donc ou pas dans bon Dieu. Donc, le mot doctrine en soi, il est défini comme étant un ensemble d'enseignements. Donc, de pour être doctrine ou enseignement. Donc, il y a trois types de doctrines. Ou bien la saine doctrine ou la doctrine de Jésus-Christ, ou bien la doctrine des démons, et pour bien la doctrine des hommes. Et c'est ça que nous allons montrer au peuple aujourd'hui, pour qu'on connaisse, là où on a parlé, là où on a religion, là où on dit dans telle religion, pour qu'on connaisse qui doctrine. Je vous dis à nous, il y a un témoin de Jéhovah, il y a un adventiste, il y a un mormon, des francs-maçons, toutes ces doctrines. Qu'on est à nous parler capable qu'on est qui est-ce qui doctrine des démons, qui est-ce qui doctrine des hommes et qui est-ce qui la saine doctrine et doctrine de Jésus-Christ. Si nous allons dans base biblique, nous allons dans seconde épître de Jean, le verset 9 à 11, n'a point apôtre Jean a dit quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Donc, si un monde ou pas dans la saine doctrine, donc ou pas gagne un bon Dieu, ou pas gagne Jésus-Christ, donc ou pas hérité salut. Et un monde qui pas gagne saine doctrine ça tout, même les vins la caillou pas entrer dans contact avec parce que ou a participé dans mauvaises œuvres. Donc c'est ça que nous allons étudier aujourd'hui avec auditeur Blocus.
Dans l'ancienne alliance, dans l'ancien testament, pas de saine doctrine d'où? Ok, c'est une très belle question. Je vais répondre pour le peuple haïtien. Et nous disons que premièrement, dans l'ancien testament, nous pouvons faire la saine doctrine. Parce que l'ancien testament, nous sommes encore dans l'ancienne alliance. Donc dans l'ancienne alliance, nan, nous avons un sabbat avec nouvelle lune, nous avons observé, nous avons un sacrifice qui t'a fait, nous avons la loi de Moïse. Donc ça que pour auditeur vous connaît, depuis vous prenez Genèse, j'y suis arrivé dans Malachie, donc on a la loi. Là, on a un tabernacle, on a un temple, on a une synagogue. Donc synagogue vient commencer, c'est à partir du troisième déportation, côté que les juifs viennent pas de temple, et puis les pharisiens viennent faire ça avec les synagogues pour réunir les samedis. Donc nous, on joue synagogue là, c'est sabbat. Et nous avons vu l'église adventiste, même les confondre. Les tourner dans l'ancienne alliance, là, le prince sabbat dans la synagogue, pour le porter dans la doctrine, par là, les tourner dans l'ancienne alliance. Côté que là, nous n'avons pas fait la saine doctrine du tout, parce que là, nous avons parlé de la saine doctrine de Jésus-Christ, nous venons l'église là. Pour que la saine doctrine, il faut que l'église, il faut que l'enseignement l'église. Donc, dans l'Ancien Testament, nous n'avons pas fait la saine doctrine du tout. Nous allons regarder différents types de doctrines pour nous et qui ça a là-dedans comme contenu. Amen. Amen. Donc, pour nous capables de faire ça, parce que nous connaissons les peuples haïtiens, et nous-mêmes, tout ça que nous faisons avec vous, nous ne pouvons pas faire rien sans que nous ne allions dans le livre sacré. Donc, la saine doctrine, c'est la doctrine de Jésus-Christ, nous jouons enseignement de l'apôtre. Donc, il n'y a pas marché sans la piété. C'est ça que fait petite émission aujourd'hui. Hein? C'est la saine doctrine et la piété. Donc, la saine doctrine, non, c'est ensemble d'enseignements que Jésus-Christ bail, que nous-mêmes nous capables de suivre. La piété, c'est dévotion. Ou bien fidélité ou bien loyauté ou bien à Dieu, Abraham, Isaac et Jacob. Là, nous allons dans Matthieu chapitre 22 au verset 37. Il dit, nous tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toutes tes pensées. Ça veut dire, premièrement, pour nous dire dans la piété, il faut qu'on aime bon Dieu plus que toute bagaille. Faut qu'on aime bon Dieu plus que même madame ou petit tout. Marie, et faut qu'on aime bon Dieu qui est bien, qui est possédé. Faut qu'on aime bon Dieu plus que Messou. Faut qu'on aime bon Dieu qui est tout ça côté remet pour capable vivre la saine doctrine. Donc dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre ces choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Qui ça pour la apôtre Paul a dit nous là. Bien pile monde dans dernier temps, ils ont pas d'accord pour aller dans saine doctrine là. Parce que dans cette doctrine, il y a une série de bagages pour respecter la donne. Premièrement, il faut faire différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans cette doctrine, il n'y a pas de sabbat la donne. Les bagages ne font pas manger viande cochon la donne. Dans cette doctrine, il n'y a pas de faire faux cheveux la donne. Les bagages font mettre zan ou mettre bijoux. Dans cette doctrine, il n'y a pas de ça. Et je vais le prouver nous bibliquement. Dans cette doctrine, il n'y a pas de faire. Et wap adorer saint la dani dans saine doctrine n'a pas culte de la personnalité côté mon abdou c'est lui même qui bon Dieu a même. Donc saine doctrine nan li gon ensemble d'enseignement qui difficile pour moun yo capable quelque sorte supporter. Donc nous capable dire que la saine doctrine c'est la porte étroite. Mais toi sois sobre à toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Tout à fait. Ah ben, on va regarder qu'on y a là et dans l'autre doctrine nous parler parce que sous gain saine doctrine, gain fausse doctrine tout. Comment qu'a différencier pour nous-mêmes saine doctrine et fausse doctrine, pasteur Condé? Amen. Premièrement, et premier bagage qui t'a fort différencier la saine doctrine de quelque soit fausse doctrine, nous capable ouais clairement dans saine doctrine dans Jésus-Christ, c'est lui-même qui centre là. Ça veut dire sous entrer dans l'église, l'arrivée dans l'église là. Ou venez ajouter un autre nom en dehors de Jésus-Christ, là où déjà pas dans cette doctrine. Par exemple, en Haïti, nous avons des sectes diaboliques qui ont fait, nous avons Mme Sylvanie Ramsey, les deux comme ça, c'est Maman Yahweh, c'est lui-même qui est bon Dieu. Là, nous avons son monde qui pas dans cette doctrine. Nous avons même lui-même qui dit c'est bon Dieu, c'est Madame mon Dieu, et puis lui-même, les deux comme qui compte parler avec moi, c'est Zil Danton, etc. Ça veut dire que là, il n'y a pas de nom qui ajouté. Si par exemple, nous entrons dans l'église adventiste, nous parlons que tu as William Miller aux États-Unis avec Ellen White, nous savons que tu es réuni par les États-Unis, nous disons que tu as fait révélation, nous avons une date que Jésus-Christ a tourné.
Jésus-Christ pas jamais tourner dans date ça et puis au doit en 1844 Jésus-Christ est passé dans lieu très saint là dans lieu saint ça son mensonge que bail parce que dans Hébreux 9 verset 12 il dit Jésus-Christ est passé dans lieu très saint là il était mort sur quoi donc Jésus-Christ pas mort et sur quoi en 1844 nous ce sont des doctrines qui chargent avec mensonge qui chargent avec esprit de séducteur qui a bail monde menti qui basé sur fausse prophétie. Premier Jean qui a reconnaître une fausse doctrine, c'est fausse prophétie qui la baille. Et tout ça là dedans pas aucun fondement biblique. Donc si on aller dans 1 Timothée chapitre 4, où l'apôtre Paul dit mais l'esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ça veut dire dans les derniers temps, mon pape fixé sur Jésus-Christ, il va bien la foi à Jésus-Christ, et mais il y a plus campé, il y a suivi des esprits séducteurs qui a utilisé des hommes, qui a dit qu'il y a des catastrophes qui peuvent faire dans le pays d'Haïti, par exemple, bon là, quand nous plus près, qui a dit qu'on s'est Haïti pour le craser, on pas qu'il y ait tête en bas, c'est là qu'on va le suivre. Ce sont des esprits séducteurs. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Donc, pour on joue une fausse doctrine, on joue des faux docteurs. Des gens qui n'ont aucune base biblique du tout, cap de quoi ça faut observer sabbat, cap de faut quoi l'Ancien Testament, des fois cap de quoi ça sous malade faut utiliser sel, faut utiliser un sac de bagaille pour capable faire des rituels pour guérir. Donc yo pas été dans cette doctrine, yo pas été dans enseignement de Jésus-Christ et moun sa yo tout pas prêché au péché, yo dans l'évangile de la prospérité. Donc yo fait tout à fait un syncrétisme religieux avec ça qui a fait. Donc yo pas basé sur vérité dont le corps est le Christ et Jésus-Christ de Nazareth. Donc, l'autre base biblique nous capable de gagner pour nous prouver la sainte doctrine, nous capable d'aller avant dans Colossiens chapitre 2. Nous capable d'aller avant dans Colossiens au chapitre 2, le verset 8. La dit prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde de nos surprises. Ça veut dire c'est pour prendre pile précaution. Pour pas quitter nèg vinn bon philosophie côté que franc-maçon pas bon belle bagaille philosophie en pile mon a fait logique pareil avec belle philosophie côté qu'il a dou Jésus-Christ pas Dieu il a dou le Saint-Esprit les parents personne ni pas Dieu tout et puis il a fait philosophie pour montrer un bagaille qui logique et puis moun sa yo totalement séparé de Jésus-Christ il a mis directement dans doctrine des hommes ou doctrine des démons au Colossiens chapitre 2 le verset 18 là dou qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé de vain orgueil par ses pensées charnelles. Ça veut dire, moun qui n'a fausse doctrine, la humble, la paraît humble, mais au fond, pas humble, il y a une apparence d'humilité. Automatiquement, on dit, mais non, ça, il n'y a pas de la doctrine de Jésus qui soit pour elle changer totalement. C'est ça que fait les Adventistes, la vie, ils viennent bon sabbat. On dit, non, mais nous, dans cette doctrine-là, joue l'église là selon acte des apôtres 20 verset 7. C'est le premier jour de la semaine, on va le fâcher. Et l'autre mensonge, l'église adventiste a baillé tout le monde qui la donne. Yo dit le comme ça, si yo dit adventiste là dit synagogue c'est l'église. Pour tout adventiste, synagogue c'est l'église. Là là acte des apôtres 17 verset 2 avant, puisque Paul était qu'on entre dans la synagogue, il dit Paul était qu'on observe ça bas et synagogue c'est l'église. Yo mensonge qui n'a baillé peuple haïtien et le monde entier une fois pour toutes. Synagogue avec l'église, c'est deux bagages différents. Synagogue était là avant l'église, Jésus-Christ est entré dans la synagogue et laisse à pour gagner l'église dit tout. Donc, nous voyons côté que fausse doctrine, son mélange des mensonges avec quelques vérités là-bas pour le cabinet dans confusion totale et puis mettre ça en jeu. Mm-hmm. Dans toute l'église, dans toute religion, et qui côté, selon vous-même, nous voyons clair, qui a pratiqué la saine doctrine de Jésus-Christ. On passe en revue différentes religions, parce que moi seulement mettez accent sur la religion de Ellen White, qui c'est en fait adventiste. L'autre même, moi pas dire en édouard. Bon, moi je suis bien content, ça sont très belles questions Pierre G. Donc, moi salue encore une fois, moi salue staff là, et peuple haïtien, auditeur, bleu qui sont captants de nous. Et si nous capons une deuxième fausse doctrine, nous allons directement dans le témoin de Jéhovah. Témoin de Jéhovah, nous avons Russell Héritier Ford, parce qu'effectivement, vous avez dit, nous étions juste dans Ellen White et Muller. Russell Héritier Ford aux États-Unis, ils font un groupe qui est les étudiants de la Bible, côté qui ils font une sorte de religion selon croyance, côté qui ils font tout de garde, ils font une Bible, témoin de Jéhovah, côté qui dans la Bible, témoin de Jéhovah, premièrement, son Jéhovah, ils disent Jésus-Christ, pas mourir son quoi,
Et les nous gardé dans la Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18, il dit nous, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Donc, on est sans la croix. L'évangile là, il n'y a pas aucune puissance. Donc, ça, c'est pour le moment sans Jobaou. Yo dit, il témoigne son poteau. Yo dit, il témoigne son poteau. Pas sur la croix. Pour les témoins de Jéhovah. Oui. Exactement. Yo même, yo dit, Jésus-Christ témoigne son poteau. C'est ça que fait eux-mêmes. Yo gon l'évangile qui sans puissance. Parce que l'évangile là, c'est qui ça lié? C'est la croix. Si par exemple, yo gon l'évangile qui sans croix, il n'y a pas aucune puissance. Et l'homme, on baptisé. On baptisé dans la mort, résurrection, Jésus-Christ qui témoigne son quoi. Donc, m'a dit ça pour peuple haïtien, bon prière qui est très puissant, qui m'a partagé avec nous. Il est tout simplement dit, voici la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, la racine de David. Hâtez-vous, animal sauvage, que Jésus-Christ est devant vous. Jésus-Christ vit, Jésus-Christ règne, Jésus-Christ revient. N'importe franc-maçon, bien être mystique là, de vous dire prière ça, la foi, en tout diable qui soulie à tomber rapide. Parce que c'est la croix de Jésus-Christ. Et Satan lui-même, il est toujours à combattre l'évangile de la croix. C'est ça que fait nous, en notre témoin Jéhovah, ou c'est la critère forte qui était ancien franc-maçon aux États-Unis, ils ont fait religion ça, ils ont retiré la croix, ils ont dit Jésus-Christ est mort son poteau. Et on prend dans bibliothèque traduit, les mêmes tout côté rejoignent la croix, ils ont mis poteau de souffrance. Et l'autre est mensonge bail. On prend dans bible bail, soit aller dans Jean chapitre 8 du verset 1 à 11, ou on prend par dans la bible témoin Jéhovah. Jean chapitre 8 verset 1 à 11. Li parle histoire femme adultère pour témoin Jéhovah li dit que li même li pa gen péché puisque le témoin Jéhovah sans péché. Donc réalité ça Jésus-Christ parle a qui dit que nous tous nous gen péché pour nous repasser tête nous ben dans Bible parle la donne. Est-ce qu'il y a une religion qui dit qu'il a servi bon Dieu, li ka retirer 11 verset dans parole là. Et là regarde dans Acte chapitre 8 verset 37 tout, ou après témoin Jéhovah retirer verset ça. Et soit la catholique là qui dit c'est première religion, c'est première l'église, ou après moun catholique dans Bible baïwa dans Acte des apôtres 8:37 yo retirer. Pour qui ça? C'est parce que catholique là baptiser ti moun piti et que Bible a dit faut qu'on croit pour baptiser. Ça veut dire ti moun pas baptiser. Témoin Jéhovah lui-même les retirer parce que lui-même pour baptiser la donne faut accepter croyance avec doctrine témoin Jéhovah qui fausse. Moi témoin Jéhovah tout dit question gain rapport avec adoration c'est papa moi crois pas doit adorer ou ka vénérer petite là. Si me rappelle bien, m'te quand li et la tour de gardio. Bon, premièrement, on peut pas aller côté papa sans qu'on pas passer par petite là. Dans Jean 14 verset 6, il dit clairement que je suis le chemin, Jésus-Christ dit je suis le chemin, la vérité et la vie, ne le vient au père que par moi. On pas aller directement bon côté Jéhovah sans pas passer par côté petite là. Ça son fausse adoration qui pas aucun fondement biblique ni spirituel qui témoigne Jéhovah mettre parce que dès le commencement, il a déjà éliminé l'évangile de la croix. Et puis lui-même tout le dit Jésus-Christ c'est l'archange Michel. C'est même avec doctrine franc-maçon qui sont doctrine totalement diabolique. Là on parle de l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament qui c'est Jésus-Christ, franc-maçon donc ça c'est Métatron. On miel douce sandalphone. Ça veut dire c'est même bagarre là venant dans témoin Jéhovah parce que mon fondateur témoin Jéhovah c'est franc-maçon lié et même au niveau de l'église adventiste on a un fondateur était franc-maçon donc il toujours kembe même rituel franc-maçon même doctrine ça qui fausse. Et puis, on entre en dedans et doctrine témoin Jéhovah avec Adventiste. Et puis, il y a quelques fausses doctrines. Par exemple, Branham Islan, tous les sont fausses doctrines. Branham Islan lui-même, les deux baptêmes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pas bon. C'est baptême au nom de Jésus-Christ qui est bon. Pour le cas, il y a un mensonge ça. Là, il y a Actes des Apôtres 2, verset 38. Quand il dit, baptisez-les au nom de Jésus-Christ. Donc, là, il n'y a pas jamais comprendre. Au nom de Jésus-Christ signifie comme Jésus-Christ l'a ordonné de le faire, comme Jésus-Christ l'a envoyé de le faire, sous le mandat de Jésus-Christ. Qui Jean Jésus-Christ est venu faire baptême? Allez dans Matthieu 28, verset 19 et 20. L'abdou les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puisqu'il ne comprend pas ça, il plonge au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là, il y a un monde qui baptise dans Branhamis. Ou bien qui baptise dans une fausse doctrine comme ça, l'on vient côté. Ma baptise au normal parce que tu es bien ou pas déjà baptisé. C'est pas au nom de Jésus-Christ pour baptiser, mais c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mm-hmm. Tout à fait. Qui goris qui pesé sous tête tout le monde qui a défendre et la saine doctrine de Jésus-Christ. Qui goris qui pendait sous tête les monde ça. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Jésus. Premièrement, m'abdou ça sincèrement et dans la Bible c'est saine doctrine là qui l'a donné. Et tout le monde qui était dans la Bible, tous les saints apôtres de Jésus-Christ, qui t'a défendu la saine doctrine de Jésus-Christ, pas de gagner une qui t'a fini bien. Apôtre Paul, il mourit décapité à Rome,
côté qu'il était fait maintenant prison pour saine doctrine là. Et dans 2 Timothée chapitre 4, on peut côté là dit moment départ arrivé et il servit déjà de libation. Apôtre Pierre qui t'a défendu, qui t'a défendu saine doctrine là, il mourut crucifié son quoi tête en bas. Apôtre Jean, il était mettre dans chaudière l'huile et il boule dans chaudière l'huile là, il pas mourir jusqu'à ce que maladie naturelle éventuelle, c'est comme ça bon Dieu t'ai fait le mourir. Donc Jacques il a poussé sous tête l'église Jérusalem non, il tombe en bas c'est là le mourir. Donc tout apôtre qui en quelque sorte Bible là qui t'a défendre la saine doctrine de Jésus-Christ, donc eux ce sont des témoins fidèles. Donc là nous prenons témoins fidèles dans le langage théologique. Un témoin fidèle, c'est un monde qui l'a pour défendre la saine doctrine de Jésus-Christ jusqu'à la mort. Parce que pour défendre cette doctrine, faut qu'on prenne un monde qui est vicieux, faut qu'on capable de prêcher vérité. Parce que dans cette doctrine, il n'y a pas de monde à pizza, il n'y a pas de bijoux, il n'y a pas de pile coiffe, il n'y a pas de rouge à lèvres, il n'y a pas de baisse, il n'y a pas de m'a imaginé m'a pas gagné un dame qui dit qu'elle sont apôtres si qu'on vient dans bloc ça. On regarde elle gagne fou cheville que toute bagaille ça elle de l'apôtres. Apôtres qui Jésus-Christ, elle pas gagne enseignement des apôtres. C'est dire que saine doctrine c'est une dénonciation totale liée des œuvres des ténèbres. C'est ça que fait ouais pasteur saine doctrine non, il pas qu'à dans saine doctrine et puis pour bon foule monde elle cap suivre lui. La saine doctrine de Jésus-Christ, les parents pasteurs qui approchent la prospérité, qui dit mon yo, vini pour yon l'argent, vini pour yon guéri, mais après la saine doctrine, il y a enseignement pour moun na quitter péché, et puis après côté moun sa li même, li a fâché, le pape senti qu'il a fait l'évangile, il a pralé, il a dit qu'on a pasteur ça. Yon pasteur qui dans saine doctrine, c'est un pasteur qui risque ville. Moi même raison qui fait moi-même, moi prêcher la saine doctrine, c'est parce que m'a déjà remettre vie, moi suis témoin fidèle de Jésus-Christ. Donc moi pas fait mourir pour l'évangile là, donc moi prêcher la saine doctrine. Mais la saine doctrine, les gars pile risque là-dedans. Mm-hmm. Est-ce que ça veut dire que ou même là qu'a parlé avec là pasteur Condé, le fait que ou a prêcher la saine doctrine de Jésus-Christ, donc me mettre attendre moi c'est tragique mon va le mourir. Pour qui ça l'obliger comme ça? Pour qui ça c'est mort tragique qui a menacé tout le monde qui a défendu le principe ça, doctrine ça. Amen, amen. Laissez-moi tragique, captain, tout le monde qui a défendu doctrine ça, parce que, et là où a prêché la vérité à l'époque, en quelque sorte, bien perçue par les hommes. Et nous, elle est Jésus-Christ, il était sous la terre, Jésus-Christ, il était persécuté, et Jésus-Christ est venu mourir sous quoi pour vérité à. Donc les hommes en soi, les pas remet pour bal vérité, mais les remet pour dire le bagage qui a fait quel content, les remet pour dire ça qui a marché dans ce sens. Les bal pour exemple qui clair avant. Dans la saine doctrine de Jésus-Christ, pas gars fait femme pasteur. Pas gars femme pasteur dans la saine doctrine de Jésus-Christ. Toute femme qui passe à travers le monde, c'est les têtes, bon Dieu pas elle. Donc pour une femme venir arriver d'où les pasteurs gagne des démons dans sa tête, dans démonologie m'étudier ça ici là, qui est des démons guerriers ou des démons de femme pasteur. De femme pasteur. Donc, au bonjour, il fait révélation, lui, elle son chien, ou bien un ange. Mais ange sans loi, li ange sans loi, c'est pour un ange qui vient de Dieu. Son démon qui loue. Galates chapitre 1, verset 8, il dit. Et pour qui ça, moi, pour la responsabilité, moi, dit ça. En nous, base biblique, vous nous. Si nous allons dans 1 Timothée, chapitre 2, les versets 12 à 15. Bande pour la partie de verset 11 là. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Ça, c'est Paul qui inspire, apôtre Paul, inspiré du Saint-Esprit. Donc, là, il dit, je ne permets pas. Ce n'est pas apôtre Paul qui dit, je ne permets pas. Mais c'est bon Dieu, c'est Saint-Esprit, l'apôtre Paul qui dit ça. Ce n'est pas apôtre Paul qui a dit ça là. Non. 2 Timothée chapitre 3, verset 16 à 17, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Mais toute femme pasteur, pour eux-mêmes, écriture, ça n'est pas inspirée de Dieu. Et tout pasteur garçon qui a, en quelque sorte, supporté à faire femme pasteur, pas d'accord. On peut par exemple un grand pasteur en Afrique qui est le Marcelo Tunazi, qui pas d'accord bagay ça du tout. Libre tout verset mal interprété pour provoquer femme qui a dirigé garçon. Or dans la Bible elle écrit clair. Donc là, automatiquement on prêche contre femme pasteur, ou a grand pile persécution. Et moi-même, maintenant séminaire
biblique et théologique ici la République dominicaine. C'est peut-être pas ça ça m'était dit dans séminaire. Et puis nèg dans séminaire qui a fait l'argent gros théologien dominicain au premier mettre dehors dans séminaire. Mais ça va t'étonner parce que non l'école théologie côté que m'a étudié la sainte doctrine de Jésus-Christ dans l'église de Dieu. Donc ça va trop intéresser mais comme moi m'étudier, moi d'aller dans séminaire peut-être ça. Là on a sainte doctrine. Ou a enseigné mesdames yo mais qui j'ai pour habiller. Faut que habiller décent avec pudeur et modestie. Ou di yo non, yo pa ka met faux cheveux, yo pa ka met bag, yo pa ka met zano. Là on a problème. Et pour nous ka bol, c'est pas nous même qui dit, c'est parole là qui dit. 1 Timothée chapitre 2 verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie, ne se pas ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Là nous dans verset ça là, il dit non, femme qui a servi bon Dieu a, li pa doit tresser tête li. Li pa ka nan pile tresse, nan pile tresse nan tête li. Et là où est le Saint-Esprit de Dieu dit un bagay, li gen bon raison pour le dire. M'a regardé gon apôtre qui konn vin là, li rive sur verset ça, il dit bon, sou moun t'a pas appliqué verset à 100%, bagay faut qu'on pas la faire tresse nan tête. Pas gen si ou pas appliqué, sou ap servi bon Dieu ou supposé appliquer. Ou pas supposé gen bijou parce que là la sainte doctrine nan di ou li, ça c'est l'enseignement de Jésus-Christ à travers apôtre Paul. C'est ça qui cette doctrine là. Verset 10 là dit, mais qu'elle se parle de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc, en pile, mesdames, nous devons dire, yo chrétienne, il y a l'église, il y a l'adventiste, il y a mort, mon témoin Dieu, il y a l'église de Dieu. Mais l'on fait profession de servir Dieu, son l'autre bagaille. L'on fait profession de servir Dieu, faut que réalité, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, à l'entrée dans la vie, faut d'accord pour tout être sanctifié, l'esprit n'a moins corps. Faut bailler bon Dieu même à tout entier parce que bon Dieu pas besoin à moitié. On est sinon entre la doctrine baptiste qui sont fausses doctrines tout qui plein enseignement faux. Donc nous reconnaître qu'il y a un bon baptiste, qu'il y a un vrai baptiste. Donc l'église baptiste là qui ça le va faire, il va rentrer dans 1 Pierre chapitre 3 avec. Là il vient dans 1 Pierre chapitre 3 avec, là il va mal interpréter verset 3. Verset 3 dit ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. La verset 3 dit comme ça, ou pas qu'à gagner yon sorte de beauté extérieure, côté qui tête nous a tressé, nous gagne pile et bijoux en or, bien perles en or sous nous, et puis avec pile rad qui trèche sous nous. Puisque les dit les ornements d'or, l'église baptiste dit comme ça, bon, les dit mesdames, yon, nous pas qu'à mettre en pile bijoux, mais nous qu'à mettre petit bijoux. Ça veut dire qu'on a l'église baptiste, non pas qu'il y a quelqu'un qui a servi bon Dieu, on a des petits anneaux, on a des petits fauchés, on a des petits bagages, parce que verset a dit que c'est petit bijou ou kamete. Pendant ce temps, ce n'est pas ça verset a dit du tout. Verset a dit que ça nous pas de gagner beauté extérieure, ça, qui n'a cheveux tressés, qui n'a ornement oyo, bagage bijou, l'on a mis sur nous, avec rad qui n'a mis. Et si on a regardé en bas verset ça dans la Bible second, qui c'est une Bible qui très et théologique, ou après il y a 1 Timothée 2 verset 9 là écrit, et dans 1 Timothée 2 verset 9 là il dit clairement qu'on pas qu'à mettre dit tout, parce qu'il dit ni vêtements somptueux ni d'habits somptueux, et puis il dit ni d'or ni de perles. Ou après ça apôtre Paul dit dans 1 Timothée 2 verset 9 là, c'est lui apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 3 verset 3. Donc si Paul t'a dit pas mettre bijoux Non, 1 Timothée 2, verset 9 là. Et puis apôtre Pierre, dans 1 Pierre 3, verset 3, il dit mettez. Ça veut dire que la Bible est en contradiction. Et il y a un nègre qui n'a pas tapé cet esprit. Ça veut dire que bon Dieu n'a pas en contradiction. Ça que moi je veux faire, auditeur, vous connaissez, c'est que bon Dieu n'a pas en contradiction. La Bible n'est pas une Bible qui est contradictoire. Mais c'est nous-mêmes qui ne comprenons pas. Parce que nous n'avons pas fait exigence biblique, nous n'avons pas fait herméneutique, nous n'avons pas fait coutume de la Bible. Nous ne partons pas verset à l'autre verset pour nous voir exactement qui ça, la parole de Jésus-Christ Abdim. Tout à fait. Christologie, hein, c'est lui-même qui est doctrine de Dieu, la Christologie. Bon, la Christologie, lui-même, nous sommes capables de dire qu'il étudie Jésus-Christ dans plusieurs aspects. Ça veut dire la Christologie, où je vois ça, c'est l'on fait théologie biblique et systématique. Ou je vois une Christologie, où je vois une démonologie, où je vois une archéologie qui s'étudie du péché, où je vois tout bagage ça. Donc nous connaissons dans l'étude de Jésus-Christ là, nous capables de dire trois Jésus. Nous capables de Jésus qui c'est Jésus qui mourit sous quoi, qui c'est Dieu lui-même, qui c'est petite,
Dieu Abraham, Isaac, Jacob là, et que c'est lui-même qui baille cette doctrine dans l'enseignement là, et c'est Jésus-Christ ça qui sauvait le monde, parce que Jésus-Christ a un droit de rachat sur l'humanité, parce qu'il est sorti directement dans la famille, dans la lignée roi David, depuis où jouent l'histoire de Ruth et de Naomi. Donc, il y a un droit de rachat sur nous sauver l'humanité. Ça, c'est Jésus-Christ de Nazareth, là, qui est roi des rois, Seigneur des Seigneurs. Donc, ou bien le Jésus de l'Angleterre. Jésus de l'Angleterre, lui-même, c'est Jésus, c'est le Jésus des francs-maçons. Jésus, ça, c'est lui-même, franc-maçon, après la donne. Et dans le 18e grade de la franc-maçonnerie, il parle de degré christique. C'est exactement Jésus. Ça, Jésus, ça, l'utiliser dans la musique, il fait artiste, il connaît la musique là bien. Lui-même, lui, c'est Satan même. Et puis, où joignons l'autre Jésus, toujours que le Jésus-Christ soit. Le Jésus-Christ soit, c'est le Jésus de l'Église catholique. Les pères parlent de Jésus, c'est Jésus-Christ soit la parole. Donc, Jésus-Christ soit lui-même, c'est Lucifer même qui est le grand maître dans l'Église catholique. Là, les pères d'où, grand maître là avec nous tous. Donc, ce sont des études approfondies. Jouer dans la christologie mélangée avec démonologie et puis en même temps on peut continuer avec doctrine des hommes et doctrine des démons. Là on peut jouer un dogme parce que dogme vous te dit dans le commencement, dogme là c'est un principe, un précepte qui est juste imposé ou. Et pour l'Église catholique là impose des bagages qui ça l'impose ou l'impose au maman Marie. Les deux pour arriver côté Jésus-Christ, faut prier Marie, faut prier Saint Saint Antoine, faut prier Saint Michel Archange. Nous connaissons Michel Akaja lui-même clairement. Dans la religion vaudoua, c'est lui-même qui met Aga ou les fans, son diablier. Donc, les métaux non idolâtrices, ça paraît. Côté là, nous avons une différence entre image et idole. Bon, idole là, lui-même, c'est mauvais esprit, c'est démon. Hein? Mais image là, lui-même, c'est représentation que vous faites comme dessin fait, ou bien statue fait qui dans l'Église catholique là. Donc, idole avec image, c'est Kabuta Gingole et la Bible, pas accepter ni idole ni image. Donc, ouais, l'Église catholique a dit quoi ça donc? Et idole, la Bible parle idole, même l'image. Ça veut dire, c'est là, le mettons dans Jésus-Christ, soit, le mettons dans l'adoration démoniaque, ça paraît, c'est comme on ne pas connaître. Donc, c'est ça la christologie. Ça veut dire, pour qu'on connaisse fausse doctrine, faut faire théologie biblique et systématique pour entrer dans la christologie, dans la démonologie, dans l'archéologie, dans toute étude ça. D'accord, dans trois Jésus, ça y est, qui est-ce qui est vrai Jésus, hein? Ça, c'est le premier volet. Et puis, deuxième volet, récemment, nous avons invité son antichrist, c'est Zamaex. Lui-même, il contestait l'existence de Jésus-Christ. Vous comprenez? Bon, tant de réactions sur l'aspect ça. OK. Le vrai Jésus, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui-même qui est Seigneur des Seigneurs, là. C'est lui-même qui sauve le monde. Et Jésus, ça, c'est Dieu. Et c'est lui-même, Jean chapitre 1 a parlé, à côté du au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, et c'est le vrai Jésus. Et dans verset 14 là, Wabjoen, verbum, kaum, et. Ça veut dire c'est le verbe qui s'est fait chair. Et le verbe qui s'est fait chair et qui s'est habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, la gloire de Fils unique venu du Père. Ça c'est vrai Jésus, hein, qui c'est bon Dieu même qui sauvait l'humanité. Mais si nous, jeune homme dit là, lui-même lui vini, lui fait comprendre que donc Jésus pas existé, lui nier Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est pas grave. Ou pas pas ouais émission ça, mon nom wel. Ou te wel émission na émission na blocus. On dit ça, yon moun dit que li bon moun ki relèm depuis les États-Unis, li dit pasteur, mais yon moun un antichrist vini, lui fait comprendre que Jésus pas existé. Et puis qu'on y a prouvé ça me fait moi dit mon nan bon, c'est pas étonnant du tout. Parce que nous dans les temps de la fin. Et puis, moi, et partager un passage avec Mounsa. Parce que ça, pour nous connaître, ça, pour auditeurs, nous connaître, c'est que, et, pas qu'à confesser Jésus. Ça veut dire, il y a un monde qui possède avec mauvais esprit, qui a l'esprit de l'Antichrist, ça donne, il n'y a pas qu'à confesser Jésus, il n'y a pas qu'à reconnaître ni la déité de Jésus-Christ, ni l'existence de Jésus-Christ. Et nous pouvons aller dans la Bible, là, dans 1 Jean, chapitre 2, au verset 18. Lui dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ça veut dire, dans le dernier léage, pour tout le monde, là, n'a point en pile antéchrist vini. Donc, il dit antéchrist ou antichrist. Donc, qui tout dit antéchrist ou dit antichrist, c'est la même chose. Donc, il y a plusieurs antéchrists dans le monde là. Il y a plusieurs mouns qui ont vini, qui ont dit pour ça, Jésus-Christ n'est pas Dieu, que Jésus-Christ n'a pas existé, que Jésus-Christ n'a pas sauvé du monde. So, donc, ça, c'est l'esprit
de l'antichrist, ça c'est Satan le diable même qui anime Mounsa qui dit que Jésus-Christ pas d'exister. Donc c'est pas du tout étonnant pour moi, étant que homme de Dieu pays d'Haïti, pasteur choisi, mon bon Dieu appelé et qui gagne en base théologique ou biblique bien solide, moi connais ça privé. Mais c'est les mon nan vini dans l'émission pour y aller troubler tout l'autre auditeur qui attend de yo et qui pas ka comprendre et qui pas une base biblique très solide pour ça. C'est ça que fait nous-mêmes, nous prenons engagement pour nous venir sur les ondes pour nous capable parler avec la parole de Jésus-Christ en main pour moun sa yo pour démasquer pour moun suspend suivre moun sa yo kap douté yo c'est théologue yo c'est franc-maçon yo c'est ou c'est chrétien yo c'est futurologue parce que nous un nèg ba tête tout titre et puis yo gen tout diable sa la tête yo a interprété bible c'est yo kap douté Jésus-Christ pas d'exister ça. Donc apôtre Jean dit ça, ils sont sortis du milieu de nous mais ils ne fait pas de nôtres. Ça veut dire moun sa yo c'est haïtien par nous c'est canadien c'est français même j'avais. Mais vous parlez l'esprit de vérité à Namitan, vous n'avez pas fait partie de nous-mêmes. S'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Ça veut dire que si vous n'êtes pas nous, vous avez gagné l'esprit Jésus-Christ dans la main, vous n'avez pas dit que Jésus-Christ n'a pas existé. Mais c'est tout à fait normal pour vous dire ça, pour nous capables de découvrir la vérité, parce que la vérité a son lui lié, la montée sous de l'eau quand même ou pas capable c'est lui lié. Donc c'est comme ça. D'accord. Dans ensemble de doctrines de la Bible et gain des grandes doctrines. Même moi dans la Bible plus ça me dire le Nouveau Testament et plus privilégié la saine doctrine de Jésus alors que grand bonne l'autre doctrine toujours par exemple, sous ta garder l'anthropologie. Il fait partie de doctrine de la Bible. Ou t'as gardé Christologie en tout, il fait partie de la Bible. Bon, dans des réactions, il y a l'autre toujours. Ok. Mais l'anthropologie, c'est quoi? L'anthropologie, c'est l'étude de l'homme. Pour étudier l'homme, ou étudier fossiles, ou étudier une série de traces qui passaient. C'est ça l'anthropologie. Donc, soit fait science à eux, je change l'aime dans l'université Notre-Dame. Il y a un prêtre, malheureusement, monsieur, le regretté mémoire, le prêtre Michel Néristan. Qui te connaît faire cours anthropologie chrétienne. Ici, dans l'université autonome de Santo Domingo, quand je devine continuer à étudier médecine, moi fais anthropologie, je fais ethnologie, je fais science de l'environnement. Donc, étude ça, c'est qui ça? Bon, c'est des gens qui te connaît vivre longtemps, des espèces de poissons, et des gens qui te connaît vivre ça à partir de fossiles, ça, étude fossiles, ça, archéologie, ou bien connaître tel monde qui existe pour le vivre. Donc, c'est ça l'anthropologie. Donc, en étude théologie qui m'a fait ici, là, dans la faculté théologie ici, dans l'école théologie, Église de Dieu. Moi, je fais un cours d'anthropologie qui est l'anthropologie chrétienne. En anthropologie chrétienne, ça, moi, étudier, ok, espace, territoire, moun qui tape vivre sous yo, pied bois qui tape vivre sous yo, tout bagaille ça yo. Et puis là, on vient de une géographie et histoire biblique, ok, on vient de une tout bagaille ça yo. C'est très important. Pour un pasteur, un chrétien qui a connaissance sur anthropologie, sur sciences sociales, sur politique, etc. Pour qu'il y ait une meilleure interprétation de la Bible, il faut avoir une connaissance générale sur sciences sociales et même littérature et philosophie. Parce que si dans l'épidémie, on a besoin de langage figuré de la Bible, on a besoin de la Bible, il y a une métaphore, il y a une litote, il y a une comparaison, parabole pour qu'on ait, il faut qu'on ait une méthode philosophique, induction et déduction. C'est très important pour pasteur ou formé pour en anthropologie. Et c'est très important pour l'interprétation efficace des Saintes Écritures. Tout et à l'herméneutique aussi. Tout à fait. Mais et à l'avenir, dans un avenir pas trop lointain, on fait un débat spécifiquement sur l'anthropologie chrétienne. D'accord? Ça c'est prochain débat, prochain sujet n'a pas pour nous développer. Bon, nous va d'accord. Nous va regarder Bible. Bible est objet de nombreuses controverses. Pile mon a dit toute qualité bagarre en disant papier. Il y a monde qui dit c'est l'histoire. Il y a monde qui disent bonne fab qui dans Bible. Il y a l'autre qui dit bon Bible c'est toute vérité yo, il pas livre sacré. Est-ce que Bible son Bible sans erreur? Est-ce qu'il y a pile erreur? Est-ce qu'il y a pile contradiction vrai? Par exemple, il y a des contradictions, il y a des gens qui sont morts, il y a des prophètes qui sont morts dans la Bible. Ils ont dit le livre de, par exemple, de Pierre, de Baconin. Alors que Pierre était mort, le livre a été écrit, le livre a été écrit après. On comprend le livre de Jonas, etc. Clarifier, éclairer l'antenne, mais sous barre, ça pour me dire, est-ce que qui pratique vérité? Est-ce qu'il y a vérité? Est-ce qu'il y a pile mensonge dans la Bible?
Premièrement, et parole bon Dieu, hein, qui c'est les Saintes Écritures, c'est vérité à 100% de Genèse à Apocalypse. Mais ça pour nous clair sous lit, c'est que, et gain vraie traduction, gain fausse traduction. Ça a l'air clair. Parce que, si nous prenons par exemple la traduction de Louis II, parce que bon Dieu lui-même est omniscient contre toute bagaille, et bon Dieu utilise des hommes qui connaissent pour faire travail les besoins. Et nous connaissons que la Bible, c'est un livre que Satan combat en pile. La parole de Dieu, Satan pas voulu mon étudier ça, ça se cache. Et moi-même qui suis là, c'est une date de monde. Humiliation me prend, difficulté me rencontrer, persécution me rencontrer d'après chez l'évangile. Ni bon côté dominicain et haïtien pareillement. Et même dominicain pasteur pareillement, même dans l'école théologie. Quand il m'a fonctionné pour la sainte doctrine de Jésus-Christ, ou a dit qui j'aime faire vérité, non, bah, comme ça. Ça se cache. Premièrement, on a vu les ennemis de la Bible. Les ennemis de la Bible disent n'importe quoi. Que c'est après la mort prophète yo et livre te écrit, c'est pas vrai du tout. Prophète yo écrit livre inspiré par le Saint-Esprit. Mais après prophète yo fin mourir aller. Gen moun ki rete ki la ki traduit sa prophète yo te écrit dans différentes langues. Mais moun sa yo ki fait travail de traduction ça. Jésus-Christ lui-même, pas pour voir cet esprit aller inspirer moun sa yo pour moun yo faire bon travail ça. Et si m'ta prend lui second faut mon ta font étude sur histoire Louis II qui est Louis II. Louis II c'est un pasteur suisse que communauté pasteur en Suisse t'est utilisé pour te traduire Bible Louis II ça qui me gagne même là là. C'est un docteur en langue hébreu, la langue hébraïque et l'anglais. Il te prend un peu de temps pour te traduire original Bible là, ça veut dire notion original langue grecque là à Kibouya pour te ba nous traduction Louis II ça que nous gagne là. Et on prend son traduction qui presque parfait et wa pou traduction ça li pa gen morceau dans bible qui coupé et wa pou parole yo sou al nan racine yo wa pou c'est ça. Par exemple si m'ta pou un verset Matthieu 19 le verset 9 côté qu'il dit que sauf en cas de fidélité sexuelle yon homme ka divorce ak madame ou remarié sou al nan racine grec là c'est le mot homo qui dit infidélité sexuelle. Quand il y a tout pasteur qui a dit comme ça, si il y a infidélité sexuelle ou divorce ou pas qu'à remarier, ça, ça fait pas l'abdou. Mais les clés, dans la racine grecque là, le mot homo qui a signifié infidélité sexuelle, qui bon adultère. Donc c'est ça que, en pile monde, pas jamais arrivé à comprendre. Il y a tout comme ça, la Bible est contradictoire. La Bible n'est pas contradictoire du tout. La Bible son livre qui la Bible son livre qui cohérent. Le problème qui se pose, c'est que les gens qui étudient la Bible, est-ce qu'elles font étude herméneutique? Non. Est-ce qu'elles connaissent le langage figuré de la Bible? Non. Est-ce qu'elles font homilétique? Non. Pour comprendre la Bible, tant que tel conseil de science pour étudier, pour comprendre le langage de la Bible. Par exemple, quand on est dans l'apôtre Pierre, il dit nous gémissons dans cette tente. L'un dit nous gémissons dans cette tente, il dit tente, il dit c'est le corps humain qui abrite l'âme. Il considère que tu as une maison, tu as une tente, tu as une caille. Mais à l'île Maurice, dans Actes des Apôtres, chapitre 18, il dit Paul était fils de tante. Mais tante, ça, il dit Paul était fils de tante. Est-ce que c'est tante pour mon habit, est-ce que son caille? Non. Tante, ça, il est synonyme de panier. À l'île Maurice, le mot tante est employé pour panier. Mais si vous ne faites pas étude herméneutique, comment vous allez comprendre ça? Quand vous dit des tantes, ça, il y a une contradiction. Ce n'est pas ça du tout. Ça veut dire qu'il faut conseiller des études approfondies pour capable comprendre le langage de la Bible et puis faut comparer verset avec verset pour comprendre. Par exemple, moi pour aller dans l'autre logique avec vous. Pour l'église baptiste, tout pasteur baptiste baptême pas sauvé moun. Donc même l'on pas baptisé déjà sauvé, libéral pour exemple, là où on doit là té mouri sous quoi qui pas baptisé, donc li dou nan tan a vivre là. Donc ou pas besoin baptiser pour sauver. Yon mensonge du diable. Yon histoire, yon événement biblique qui prend hors du contexte. Parce que là on doit être sous quoi? Laisse à Jésus pas pour mourir à tel point que il était pas là avec Jésus. Or là on doit être sous quoi? Nous toujours dans baptême de Jean-Baptiste. Donc baptême de Jean-Baptiste son baptême de repentance qu'il dit ou pas recevoir cet esprit pas sauver. Mais là Jésus-Christ fin mourir qu'il y a dans Matthieu 16 verset 16 les disciples, il dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Dans verset 15, dans le disciple à le prêcher, il dit au monde qui croit qui baptise à sauver, là Jésus-Christ finit mourir. Et dans qui sont baptisés? Ou baptisés dans la mort à la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est ça qui fait une nouvelle créature, selon Jean 3, chapitre 3.
selon Jean 3, verset 3 et 5, qui dit, sont pas né de nouveau, ou pas au royaume ciel là, né de nouveau à celle du baptême dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ, l'on plonge en bas de l'eau, mourir avec Jésus-Christ, l'on lève en bas de l'eau, ressuscite avec elle. Donc, si Jésus-Christ peut mourir, là, on doit, n'a pas besoin de baptiser pour te sauver. Mais, quand y a là, dans le temps où y a là, si Pierre Richard Guillaume voulait sauver, il faut qu'il accepte, repenti, converti, il faut le baptiser. Mm-hmm. Et nous avons plusieurs versets qui sont bons. Dans le chapitre 3, verset 5. Il y a plusieurs types de baptême. Qui est-ce dans le baptême ou parlez yo? Il y a plusieurs types de baptême. Immersion, qui est-ce là-dedans? Je parle de baptême immersion. Je parle de baptême immersion parce que l'autre, ce n'est pas baptême, c'est faux baptême. Baptême catholique, là. Côté au vide de l'eau, sous Timon Pitia, son faux baptême. Baptême l'église luthérienne. Côté au vide de l'eau, sous son faux baptême. Parce que mot baptême, là, il vient du grec baptisé, qui signifie immerger, plonger. Ça veut dire, moi en soi, ça signifie plonger. Ça veut dire, tout autant pas plonger en bas de l'eau totalement, pas baptisé. Mm-hmm, d'accord. Est-ce que c'est vrai, Jésus-Christ est mort pour l'humanité? Parce que je suis un intervenant qui vient dans un texte qui te montre que Jésus n'est pas mort pour l'humanité. En tant que pasteur théologien, est-ce que vous avez un texte ça, ou au courant du texte ça qui vient dans la Bible là même? Pas un texte qui prouve que Jésus-Christ n'est pas mort pour l'humanité. Ça, c'est un monde qui a bon, une mauvaise interprétation biblique, mm-hmm. selon croyance parle, parce que le monde, ça, n'est pas animé avec le Saint-Esprit de Jésus-Christ. Puisqu'il n'est pas animé avec l'Esprit de Jésus-Christ, il n'est pas jamais dit l'autre bagaille, qui ça. Mais nous-mêmes, nous avons le message, le verset central de la Bible. Le verset central, le message central de la Bible qui est dans Jean 3, 16, qui est clair. Et donc, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, dans là où est qui, quel que soit verset, il y a un bras bas, ou peut-être le bras d'eau, Christ pas mourir pour l'humanité. Où est son verset qui tête en bas, son, et pas verset qui tête en bas, non, son interprétation qui tête en bas. Parce que la Bible n'a pas un verset tête en bas, mais nous avons des hommes qui tête en bas, qui ont nous des fausses, des mésinterprétations bibliques, qui ont été dans la confusion totale. C'est ça que fait Colossiens chapitre 2, verset 1. Avant de texte ça, quel est le texte Colossiens? On va demander explication sous les. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin, etc., etc. Ça veut dire que aujourd'hui, on met un petit bon Dieu puisque le grand Fils unique. Tout pendant que le texte là, Bible clan tout clarifie ça moi tout. Ok, c'est très bien. Donc, elle dit que les bail Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc, il y a un sens théologique la donne pour comprendre. Donc, Jésus-Christ est le Fils unique de Jésus-Christ parce que de Dieu, Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu parce que Jésus-Christ est là depuis avant la création. Mm-hmm. C'est ça que fait dans Colossiens chapitre 1 verset 15, il dit il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Nous-mêmes, ouais, le premier-né de toute la création. Ça veut dire si Colossiens 1 15 dit le premier-né de toute la création, ça veut dire nous-mêmes nous sommes créatures bon Dieu. Nous venons enfants de Dieu, nous devons passer par deux étapes. Nous venons enfants de Dieu selon Jean chapitre 1 verset 12, c'est là où recevoir Jésus-Christ dans la vie. Là recevoir Jésus-Christ dans la vie, automatiquement on vient enfant de Dieu. Jean chapitre 1 verset 12. Connait à qui là qu'on vient fils de Dieu. On vient fils de Dieu c'est là qu'on vient prendre maturité et puis cet esprit de Dieu qu'on y a le vient diriger, laisse ça ou passer dans stade enfant, on vient fils de Dieu qu'on y a. Ça veut dire pour un monde vient fils de Dieu, on a plusieurs étapes pour passer. Mais tout le monde sait qui pas accepter Jésus-Christ. Il n'est pas fils de Dieu, il est créature de Dieu. Mais il y a une étape pour passer pour venir fils de Dieu. Laisse ça, ou à venir égal à Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça qui fait de la prière sacerdotale de Jésus-Christ. Jésus-Christ fait prier de union. Il dit qu'on ça, il prier pour le monde qui n'est pas par le bali, pour le fond seul. Et le monde sait faire un seul ensemble dans la communion fraternelle, yo vinn fò sèl avec Jésus-Christ, avec le Père et le Saint-Esprit. Donc yo vinn on sèl ensemble, yo vinn vivre en communion ensemble. Ça veut dire c'est exactement ça. Dans mm-hmm. union ça qu'on fait avec Jésus-Christ là, ou vinn fils de Dieu parce qu'on quitté ou dirigé par le Saint-Esprit de Dieu. Mm-hmm. Mais tout le monde ça qui dans franc-maçon, qui dans rose quoi, qui dans l'église adventiste, qui dans fausse doctrine, qui dans témoin de Jéhovah, qui va jamais comprendre la saine doctrine de Jésus-Christ, qui va vivre comme ça. Moun sa yo, yo se créatif, bon Dieu. D'accord, ou ta pral vina avec texte Colossiens, par contre, qui texte ou ta vina avec? Pour te passer, ou ta pral vina avec? Colossiens chapitre 2, Colossiens chapitre 2, épître de Paul aux Colossiens, c'est un épître qui est très théologique et riche, malgré seulement 4 chapitres.
les mêmes les parler exactement de l'église là, des fausses croyances qui étaient gagnées, parce que conseil des philosophes gnostiques qui étaient venus avec apparence humilité côté yoté nier Jésus-Christ, yoté nier la déité de Jésus-Christ. Donc on apprend dans Colossiens chapitre 2 verset 4 là, il dit avertissement contre les fausses doctrines. Avertissement contre les fausses doctrines, comme étant donné que l'émission aujourd'hui, c'est la saine doctrine et la piété. Donc, il y a avertissement pour ne pas prendre la fausse doctrine. Donc, si nous allons dans Colossiens chapitre 2, verset 14-15, on peut provoquer Jésus-Christ et mourir sur quoi. Et si nous ouvrons la Bible de moi, Jéhovah, on peut côté de quoi, l'abdou poteau de souffrance. Si nous allons dans Colossiens 2, verset 16, on peut démentir. L'église adventiste moune les noirs, ça y'a cap volant les cap douke, c'est sabbat sabbat. L'abdou que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Ça veut dire pas y'a pas qu'on s'appuie encore. Parce que si on observe sabbat pour une nouvelle lune, c'est sabbat pas marcher sans nouvelle lune. Adventiste là, dans sabbat, mais pour une nouvelle lune. Donc, soit dans l'Ancien Testament, dans Isaïe, ou après, vous faites nouvelle ligne, non, c'est l'arrivée dans le mois, dans 29-30, il y a une nouvelle ligne. Donc, pas de sabbat sans nouvelle ligne, ou Adventiste la doctrine, il n'y a pas qu'à besoin, il y a une tête limitée pour quoi. Donc, si nous arrivons dans verset 18 là, qui sont versets puissants, il dit qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé de vénorgueil par ses pensées charnelles. Là, il dit qu'on s'appuie, qu'on quitte aucun monde. Qui propose les sages, les gapil connaissance, les aime tout doucement, même après catholique la fini, très docile, s'il a parlé là, comme pas qu'à parler, le doux, le bail, paisible. Mais au fond, le bon culte des anges, il parlait de culte des anges. Culte des anges, là, c'est qui ça? C'est un monde qui n'a pas servi le vrai Dieu, qui a servi plusieurs esprits, comme les dans Saint-Jacques, les dans Saint-Bartol, les dans toute qualité. C'est ça, ce sont des démons, ce sont des anges. Ce sont des anges de Chine. C'est ça, oui, le culte des anges. Moun qui dans la franc-maçonnerie, qui dans Ouzkwa, qui dans tout l'autre, qui dans yoga, qui dans discipline spirituelle, ça, qui dans méditation, moun ça, dans le culte des anges. Moun ça, le premier. Mais il y a des génies. Franc-maçon, il y a des génies. Exactement, ça veut dire que la parole des anges déchis, des esprits astral, bas astral, il fait voir astral, là on a culte des anges. Mais Mounsa qui n'a culte des anges, il y a une apparence d'humilité. Mais Mounsa, toute la semaine, il fait vision, il fait rêve. Son monde, toute journée, il fait rêve, il fait vision. Par exemple, chaque président qui vient, il fait rêve sur le président. Chaque événement qui vient, il fait rêve sur lui. Bon, pasteur femme, qui soit Haïti diversité, il y a une vision sur tout ça qui a passé. Il y a une vision sur Guy Philippe, il y a une vision sur Ariel. Son mari était chargé net. Ou est-ce que ça, son monde qui a apparence d'humilité, qui n'a sa relécule des anges. Ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Ça veut dire que ça a fait propre précaution pour le pari dans cette doctrine de Jésus-Christ là, dans la vraie l'église où il y a pour le tombe en bas avant lui. Je ne veux dire qu'il y a un pile monde qui en bas, mais Sylvain Ramsey, qui en bas, mais il s'y fasse l'éveillé. C'est le monde qui est dans la vraie doctrine de Jésus-Christ là. Mais qui pas jamais étudier la Bible, qui tombe dans un problème comme ça. Calcul des anges. Donc depuis longtemps, tu es toujours bien ça. C'est ça fait Ecclésiaste dit vanité des vanités, tout est vanité, ou à Salomon. Ça où est-ce qu'il a passé, je ne veux dire, qu'on passe déjà. Dans verset 19, il dit sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté est solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi comme si vous vivez dans le monde, vous imposez ton saint précepte? Si par exemple vous finissez baptisé dans Jésus-Christ, vous recevez le baptême dans la vraie doctrine de Jésus-Christ, pour qui ça faut quitter le monde, ça vous prend tout, vous pouvez aller ou aller dans la philosophie mondaine. Dans verset 21, hein, il dit ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Puis vous avez un bagage comme ça, du tout. Puis vous occupez le monde, ça. Puis vous entendez les gens qui parlent sur les réseaux sociaux là, parce que sont source de confusion liée et la fin dans nous, la pourri dans nous, pour aller mettre dans l'affaire du feu, dans l'état du feu, si toutefois pas à répandre. Donc, dans verset 22, il dit préceptes qui tout deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Là, on vient d'un troisième type de doctrine, non, qui c'est doctrine des hommes. Ça veut dire que c'est l'homme qui a dit qu'il n'y a pas mangé de cochon, pas fait ceci, pas fait cela. Qui a dit qu'il mettez vos rats sur vous, mais qui j'en pour fonctionner, tel jour pas dormir de telle façon, mettez tel rats, ou vient tomber directement dans la doctrine des hommes. Quand on vient entrer dans sa relève d'homme, qui parle dans le commencement de l'émission, on vient jouer un culte des anges qui est totalement dogmatique, qui n'est pas basé sur Jésus-Christ. Donc dans le verset 23, ils ont à la vérité une apparence de sagesse. En ce qu'il indique est qu'une volonté de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair.
ou avec des hommes qui ont qui avec gros cônes, qui marchent à travers le monde, avec étoiles, pentagrammes, qui ont vidé le sous tête nègre. Et qui a parlé de toute qualité mauvaise langue, a fait tout à fait offrande, après offrande dans mes mondes. Nèg sa yo, ce sont des nèg qui parlent dans cette doctrine, qui a satisfait, propre tête yo. Mais là, a parlé de sa yo, il y a un apparent de sagesse. Colossiens chapitre 2, verset 23, c'est pas moi qui dis l'auditeur. Ils ont à la vérité une apparent de sagesse. Là, a parlé de sagesse. Là, il y a plus de monde qui confond sagesse avec humilité. Donc, la sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est l'intelligence spirituelle qui se manifeste par des décisions pratiques. La sagesse, c'est la capacité d'élaborer des faits parfaits et d'utiliser les moyens les plus parfaits afin de les réaliser. Ça veut dire que ça montre la sagesse, c'est lui-même qui a résolu le problème, c'est lui-même qui a bon conseil. Mais au fond, il n'est pas sage, soit apparent de sagesse, li gen, et c'est propre, il n'a pas satisfait. Il n'a adultère, il n'a toute qualité bagay en bas, la journée, la prêche l'église, la nuit, il est dans l'oge là, il prend des degrés christiques, il prend 29e degré, il y a toute bagay dans la cale, il y a l'huile qui sont en bas la mer. Il y a toute qualité bagarre à observer avec pour le mettre sous. Et puis, l'elle mette le sous, qu'on y a un train sous ton bâté. On dit que c'est l'huile, c'est un démon. C'est démon qui a sous. Pendant ce temps-là, l'huile, ça, son récipient des fruits dit clé, l'a mette sous pour avoir plus de problèmes. Puis devant, ou même qui joue dans la guérison, soi-disant guérison dans même monde, ça, puis devant, pour aller bras malade, il y a un monde qui fait accident dans la mitaille, qui a mouru. Parce que monde, ça, il n'y a pas de Jésus-Christ. Il n'y a pas de la saine doctrine, et il n'y a pas aucun mérite, et cette tête-là l'a satisfait. Et dans Romains chapitre 14, le verset, Romains chapitre 16, le verset 14, Paul dit ce sont des serviteurs du ventre. Apôtre Paul dit ce sont des serviteurs du ventre. Tout à fait. N'a pas continué, n'a pas rappelé invité aujourd'hui, hein, c'est Pasteur Condé, il a répondu à la question nous depuis la République dominicaine. On parlait de différents types de doctrines, même gain l'autre moins jeune touré et wab dim so penser de l'autre tu sa yo tant que doctrine fallacieuse gain sophistique et gon doctrine yo les dogmatiques ou sot parler de ça mythologique l'aime fin faire pour ça balmando est-ce que ensemble de mots ça c'est synonyme l'on en théologie par exemple on parler de idée idéologie philosophie théorie dogme, système, est-ce que tous ces mots synonymes qui ont on a les pasteurs. Donc, on dit philosophie. Philosophie, dogme, système, ou bien idéologie, ou bien idée, etc. Bon, ce sont des mots nous capables de dire, ils n'ont pas vraiment synonymes, mais ils ont dans une seule agglomération. Parce que pour être dogme, ou pour un système. Parce que pour nous, dogme, son système dogme, on a parlé de philosophie, on a parlé de sophisme, on a parlé dans un contexte de sens social et philosophique, on a venu avec les postulats. Donc, Chita, bien janté Chita, parce que Chita, janté Chita, on comprend pour ne pas sortir dans le cadre. Allez, peut-être continuer. Ok, amen, amen, amen. On a parlé que c'est une vérité indémontrable, on a parlé de postulats, ils sont vérité indémontrable, on a parlé d'idéa, ou après, on a une idéologie. Premièrement, on a une idéologie qui sont enchaînement d'idées, on a plusieurs idées. Donc, pour nous capables de faire un système dogmatique, c'est plusieurs monde qui réunissent ensemble, sur une même idée, et puis qui mettent dogme ensemble. Si par exemple, nous t'apprenons l'Église catholique. L'Église catholique, nous disons ça, c'est l'Église. C'est pas l'Église, son synagogue de Satan, son système religieux qui développait au travers des siècles avec l'Empire romain. Donc, système religieux, ça, ok, il y a des dogmes. Elle mettait, par exemple, bon, le pape, et le pape représente le Dieu sur terre. Mais l'homme, il a la Bible, tant qu'il est le pape, j'aime bien le pape écrit. Mais elle, bon, il est comme un dogme. Et donc, ça, il fait le vidéo dans un postulat en philosophie qui sont en vérité indémontrable. Et il bon, archevêque, il bon, prêtre l'église catholique, et il doit qu'on s'apprête, il n'y a pas qu'à marier, etc. Tout ça, ce sont des dogmes, il vient créer un système religieux. Là, nous parlons le mot religion. Le mot religion vient du latin religare, qui fait mettre ensemble. Là, nous mettons ensemble, qui ça nous mettons? Nous mettons croyance, nous, philosophie, nous, idée, nous, idéologie, nous ensemble. Nous faisons religion. Ça veut dire tout le monde qui fait un petit groupe en côté, qui crée un secte, un faux secte, son religion fait. Parce que vous n'avez pas avec même idéologie, même dogme là, qui croit dans celle avec une croyance, qui fait tête ensemble, qui font religion. Par exemple, là, on dit vaudou pour religion. Vous n'avez pas compris ça, dire vaudou sans religion. Parce que vous quantité de monde qui mettent tête ensemble à côté, qui croit dans les lois, dans des faux dieux, font religion, avec même idéologie et dogme et principe.
Donc, c'est ça, en gros, et la signification des mots idéologie, dogme, et idée, etc. D'accord, nous parlons rentrer dans piété à Kounia là, parce qu'on est des Banois, les centrés tout sur doctrine, et saine doctrine de Jésus-Christ et la piété. Nous, la piété a son vertu qui dispose à rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû. C'est une action différente, son action respectueuse, ou se dit le à son dévotion ardente et sans faille à Dieu. Ensemble de actes de piété, ça y est exactement, les actes de piété, ça y est. Eh bien, dans les actes de piété, nous jouons à dévotion à être suprême, non? L'amour inconditionnel à Dieu. Nous jouons dans Deutéronome chapitre 6, verset 5. Même là, nous faisons un petit coup de pied dans l'Ancien Testament. Dans Deutéronome chapitre 6, verset 5, à l'école théologique, pas bon ici, il y a le schéma des Juifs. Et on dit tout Juif qui était pieux, ça veut dire que répéter Deutéronome 6, 5 chaque matin, obligatoirement. Ok, et puis ou jwenn en dame ou piété a, ou jwenn l'amour nous dit ça, ou jwenn fidélité, ou jwenn loyauté, ou jwenn des concepts éthiques et moral, on va pas parler de piété son pas ouais éthique chrétien, moralité chrétienne, ou jwenn ça en gros le comportement du chrétien en dans la piété. Ou jwenn le comportement du chrétien. Qui j'a chrétien lui-même lui comporter les le monde qui pauvre. Les le monde qui pas gain corps qui en difficulté. C'est là où on va Jacques chapitre 2, côté il va parler de acceptation de personnes condamnées. Ça veut dire bon Dieu pas accepter pour moun a bail moun plus importance selon ça le procédé etc. Dans l'acceptation de personnes condamnées. Donc c'est ça le piété. C'est ça la piété, excusez-moi. Mm-hmm. C'est ça la piété. Donc si nous allons dans Actes des Apôtres chapitre 10, m'a ban nous deux versets là pour moi montrer nous côté te gen deux moun qui étaient pieux. Dans Actes des Apôtres chapitre 10, le verset 2. Et cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Là, la parole de Corneille. Corneille, c'est un centenier lié dans l'armée romaine. Donc, on va prendre verset 10 là, à partir du verset 1. Il dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cour dite italienne. Cet homme était pieux, ça veut dire qualificatif, il était pieux. Ça veut dire, là, nous dit piété. Alors, piété, c'est le mot. C'est l'adjectif. Non, la piété, c'est le mot. Mm-hmm. C'est le la mot, piété, c'est ça, c'est le mot, c'est ça. Mais l'adjectif, c'est pieux. Mm-hmm. C'est ça, je suis d'accord. Mais l'adjectif, c'est pieux, c'est pieux ou pieuse. On dit un homme pieux, une femme pieuse. Donc, un homme pieux, c'est celui qui pratique de la piété. Mm-hmm. Donc, cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumône au peuple et priait Dieu continuellement. Donc, il y a un monde qui pieux, son monde qui est charité, son monde qui pas pour frère la grand goût et puis il quitte la mort grand goût. Mm-hmm. Son monde qui pas pour et frère la mankon linette et puis il son monde qui a pour frère la malade. Livre l'hôpital. Et le contraire. Et le contraire de la piété, c'est irreligion. Le contraire de la piété, c'est irreligion. Irreligion, oui. Le contraire de la piété, c'est irreligion. Mm-hmm. Alors, là, nous dit irreligion dans le sens de la vraie religion. Et bien quand on vient avec thème ça là, oui. Mm-hmm. Bravo, Pierre. Que bon Dieu bénisse nous plus. Merci. Là, nous parlons de irreligion. Talia nous a parlé de plusieurs religions et me dit la religion vient du latin religare qui signifie mettre ensemble. Ça veut dire qu'il y a plusieurs religions, par exemple, Sexylvanien son religion, Vaudou son religion, Islam son religion. Mais il y a fausse religion, il y a vraie religion. Et vraie religion, il n'y a pas l'autre que religion qui pratique la piété et la saine doctrine. C'est ça qui fait thème nous dit, c'est la saine doctrine et la piété. Donc, dès que pas dans la saine doctrine ou pas dans la piété, ou pas dans la vraie religion, donc, on vient tomber dans sa fausse secte, dans la fausse religion, dans la fausse croyance, dans la fausse doctrine. Donc, qui sa Bible a dit sur ça? Dans Jacques chapitre 1, verset 27, il dit la religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les veuves et les orphelins dans les afflictions et à se préserver des souris du monde. Donc, où est vraie religion? Où joue une piété en dedans? Donc, monde qui malade, monde qui l'hôpital, monde qui a des problèmes, si monde qui n'a pas de maman, pas de papa. Moun ki gen mari l mouri, donc ou visite l affliction ou edel, et pour retirer kon nan tout bagay sale nan moun, la politique, ou retirer kon nan sa ou le
et tout à fait pornographie ou retiré dans toute vieille musique mondaine ou pas tant de bagages ça ou séparé dans monde là totalement. C'est ça le mystère de la piété. On suit Blocus, on a rappelé Blocus en émission de formation, d'information et d'éducation, les diffuser, on se le rappelle en direct et simultanément du lundi au vendredi de 4h à 6h PM. Invité jodi an nan Blocus nan pral rappele li, c'est le pasteur Kondé, c'est lui-même nous gagne, pasteur théologien Jean Stevenson Kondé, c'est lui-même nous gagne jodi an comme invité avec lui, n'a parlé de la saine doctrine et la piété bien entendu. Nous allons observer pause commerciale là, au retour après la pause, nous pral garder avec lui dernier élément ça qui c'est l'esprit de piété qui c'est yon nan ndagadi yon nan sept dons du Saint-Esprit. Nous allons nous retourner n'a pas abordé question ça avec lui et bien entendu. Merci de votre fidélité, merci de votre attachement viscéral à Blocus. Pas oublier abonner avec Chanel Blocus, on a toujours mandé auto parallèlement à l'abonner avec chaîne YouTube Pamnan qui c'est Pierre Richard Guillaume Info. Et sans transition, on a rentré dans rubrique non qui c'est Blocus publicité, la fois qu'on est rubrique ça, il visait à faire la promotion des petites et moyennes entreprises des petits business ou ta rien nous parler de lien mais formulant c'est Blocus publicité ou ta rien faire advertising dans pour même formulant jeune audience c'est Blocus publicité. Ah ben téléphone Blocus publicité on connaît déjà, c'est 37 62 47 95. À titre d'exemple, ou gen les parois bateau en ap coulé avec aux amis ou lagué dans désert pour contour la via vin gen yon goût amer nan bouchou esprit démoniaque yo ak maléfique yo pas suspend persécuté et ou même gen projet et pour voyou nan pays sans chapeau avant l'air. Est-ce qu'on compte ça ou doit faire dans cas ça? Est-ce qu'on quitte ennemi yo mettez do à terre? Ben parole l'a dit dans Luc 10 verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Et bien frère Max Moyo pour ennemi yo et pas tourner yo nuisance pour ou gain un seul choix à qui un seul bagage pour faire, c'est à chercher refuge dans l'église de Dieu, centre de guérison. L'église de Dieu centre de guérison qui a dirigé par envoyé spécial Bondi la vie en sous la terre, nous voulons parler de pasteur Emmanuel Mesilas, fait carré fait adoration miracle à guérison pour Silao qui malade. Dans même sens là ou même qui gain problème spirituel, envoûtement, persécution coup de poudre pas qu'a fait petite ou même que au mari à code mystique pour pas jambe qu'a réussi examiner signe ou un il a trié, l'église de Dieu centre de guérison là pour Edo, li pas pédo seulement avec la parole ni avec la prière non, li gain moyen tout pour l'Edo avec une série de gros âmes avec missiles personnels dernière génération qu'il possédait tant coup bon citer pour nous l'huile antibaca, l'huile crasé contrat, l'huile force, l'huile contre persécution pour vous étamper loin tout mauvais esprit ou gagner en habitation. Pas oublier non, c'est clinique guérison spirituelle qui bat naissance avec l'église de Dieu centre de guérison qui donc pour pas quitter maladie persécution coûte non macbaka guérison sourde les cliniques guérison spirituelle bien entendu et que pasteur Emmanuel Mesilas a sap diriger et négonction relé li nan 929 et 500 en fait 929 232 83 64. Et bien entendu, c'est dans le numéro ça pour relèl, il y a l'autre numéro encore ou même quoi c'est. Et m'a bien temps pour m'ba nou li et puis adresse l'église là, les Chitacol dans 1951 Grand Avenue Baldwin, New York et zip code là c'est 11510 bien entendu. Alors c'est New York, Long Island, c'est là que lié. Et puis sous pas connait ni sous besoin et à jeûner, c'est chaque samedi depuis 10h dans matin. Eh ben comme ça tout qui fait gros et ça me taille pour cérémonie adoration et puis à louange c'est chaque dimanche 1h 3h PM toujours dans même l'église ça bien entendu. Eh ben dégagez nous pour nous adorer avec pasteur Emmanuel Mesilas.
Merci de votre fidélité. Nous toujours dans la rubrique blocus publicité. Il y a une bonne nouvelle qui fait tomber là, qui pourrait faire que les compatriotes nous cap vivent dans le monde, particulièrement dans le pays États-Unis, content pile. Moi, sûr que nous voulons qu'on ait une nouvelle là, et bien rassembler, vintende, ou même qui gagne marchandises, colis, machines, contenus avec l'autre produit, avec objet, ou t'as même expédié dans toute Caraïbe, spécialement en Haïti, République Dominicaine, Guadeloupe, Jamaïque, Mexique, Canada, il a trié. Moi, ben nous garantis, choisi compagnie Simbi International. Il y a plusieurs raisons pour choisir. Le second, on regarde ou monter sur internet là, ou on a besoin d'acheter sur Amazon, nous pas compte ça pour faire. Eh ben, la et donnant sans ça, ça sont l'autre raison encore qui fait qu'on doit choisir compagnie Simbi International qui pas gain rival dans domaine cargo, shipping, expédition et transportation. C'est ça que fait compagnie américaine qui est le TSA qui veut dire transportation, sécurité et administration, bal droit avec licence pour fonctionner libé-libé et pour le café expédition, marchandises, colis, machines et la trivia Haïti, Saint-Domingue avec l'autre encore dans 24 heures. Tellement compagnie Simbi International, c'est un gros affaire. Les mêmes rivières respectées, trois dans quatre éléments. Trois dans éléments, ça y a déjà, c'est air, eau avec terre. Dans la question expédition maritime, mais un peu clair pour nous. Ça veut dire le fait transportation par avion, il fait par bateau et puis il fait transportation terrestre. Pas dit nous pas connait que c'est Simbi International qui a une responsabilité pour porter avec shipping toute cargo compagnie Sunrise Aerosio, c'est lui-même qui fait ça. Ça qui belle à encourageant, soit vivre États-Unis ou ta aimer voyer une marchandise dans pays Canada, compagnie Simbi International qui a passé prendre pour la déposer Canada vice-versa. S'ouvre tout ou ka vinn déposer marchandise ou yo dans une nan dépôt nous gain, gros dépôt nous gain yo. Sou pas vle marchandise ou yo colis ou fait route cochu. Pourtant de vont colis hein autant de yo fouet droite yo là-dedans yo prend ça yo vle on prend non avec Simbi International pas gain ça j'envoie colis c'est comme ça jeune ni et puis la privée à destination pas gain route cochu pas gain question voyer colis il fait 3 ans ou pas jambe jeune ni non avec Simbi International pas gain sa pièce et ben relé Simbi International dans 305 842 2900 305-842-2900, car il est le tout dans 305-786-2429. Ou ka visite Simbi International tout dans l'adresse li, qui c'est 13401 Nord-Ouest, 47e Avenue, numéro 1, Miami, Floride, 33054. Pas oublier, contacter et Simbi International dans l'adresse li, qui c'est www.simbiinternationalfrais.com. Et puis, alors, Freya écrit FREIGHT et Symbian, c'est CIMBY, s'ouvre écrit, dans l'adresse électronique, depuis jeudi, pas oublier depuis nous, nos mêmes compatriotes, nous, qui vivent à l'étranger, depuis nous voulons faire une expédition, nous avons cargo, nous avons colis, pensez à Symbi International, c'est le meilleur choix à faire. Nous toujours dans rubrique blocus publicité et les amis nous connaît tout problème moi fait face dans la vie a une solution ce qui était problème ça au fini avant c'est au même qui la cause grâce à docteur Jemison Pierre-Louis qui sont spécialistes en numérologie il a connaissance à capacité pour dire tout ça qui bloquer la vie ou avec docteur Jemison Pierre-Louis on connaît tout ça qui a passé dans la vie on suit docteur Jemison Pierre-Louis. Ça passe tout à ici moi yo. Moi offre un coaching service sous ta besoin sorti dans pauvreté ou besoin connaître comment ou ka unleash your inner greatness. Ou besoin connaître powerful strategy pour become successful, pour rester successful. Ou connaître comment ou ka unlock your financial freedom pour acheter kay, pour investir na kay, pour aider l'autre monde acheter kay, pour apprendre comment ou ka become a real estate agent, comment ou ka become a real estate investor, ou ka join real estate coaching one on one, ou ka retirer tout spiritual problem dans la vie ou ken n'importe côté yo maré ou ken n'importe monde qui fait ken n'importe bagaille d'ailleurs ou gen 14 somme ou ka utiliser pour ca délivrer pour connaître enjoy ou gagner numéro aller du numéro ou ca utiliser pour become successful pour connaître comment ou ca retirer tout problème spirituel dans la vie ou ca apprendre plus que 3000 strategy pour become a super financial trader ou ca apprendre technical analysis fundamental analysis comment pour master equity market là comment pour master option trading forex trading bond trading cryptocurrency trading commodity trading future trading ou ca master comment pour trade momentum trading correctly trade swing trading comment pour invest na warrant comment
pour qu'à sortir dans pauvreté, pour qu'à changer mindset qui est monde dans pauvreté, ou même qui t'a besoin de tête ou en chance, contactez Dr. Jameson Pierre-Louis, écrivez sur WhatsApp 972-891-1518. Si t'as besoin devenir un bon bagaille dans la vie ou, t'as besoin de changer la voie, Anessa, c'est Anéo, c'est Chansou, Anessa, déclarer ou délivrer, pas quitter monde, peser ou, pas quitter monde, faut faire derrière, quoi dans vous, investir dans vous, mettez coach Dr. Jameson Pierre-Louis dans la vie ou, investir dans tête ou, sort tout spiritual problème qui gagne, tout côté, yon marre pour gré ou, retirer problème ça yon dans la vie ou, mais quoi dans vous, let's do it. C'est quoi c'est tout à l'heure, c'est moi yon. Moi offre un coaching service sous ta besoin, sorti dans pour. Nous toujours dans la rubrique blocus publicité hein, et ou même qui t'a aimé connait qui vrai sens mystique là qui ça ésotérique là pour qui ça bible en plus divisé ou lili ini qui ça alchimie ak tawaye ou même qui t'a aimé connait pour qui ça Jésus t'a parlé en parabole ou même qui veut comprendre sens mystique tout texte sacré yo invitez nous depuis jodi à l'abonné ak channel YouTube Cyclope Sacré. Alors Cyclope sans écrit c'est Y C L O P S E qui c'est un channel en anglais, espagnol, créole ak français. Attention, c'est ap di sou channel ça, c'est bagay ou poko jam kontande. Moi ba nou garanti nou pa déçu et c'est ap tankou yon vraie initiation. Cyclope Sacré c'est un channel k'ap délivre nan nou, k'ap retire chaîne nan cerveau nou, y a ba nou en pile potentialité pour nou vinn un vrai mystique. À l'abonné Kounia et sur YouTube, Facebook et TikTok, bagay pour ta payer en pile l'argent ou abjoin yo gratis. Abonné ak encourager zan mou yo abonné ak trésor sa, Cyclope Sacré, yon délivrance, yon espérance, yon permanence, yon jouissance, c'est la providence, tout ça di fait sens. Un ben message ou saute tant de là, pas engagé. Émission blocus, c'est payer yo payer pour yo passer. Merci de votre fidélité. N'a pas pour suivre Blocus. Invité aujourd'hui, on connaît déjà, c'est le pasteur théologien Jean Stevenson Condé, c'est lui-même nous gain aujourd'hui comme invité dans Blocus. Et puis n'a toujours rappelé au nécessité qui gagne à l'abonner avec et chaîne YouTube pam nan qui c'est Pierre Richard Guillaume Info. Pas oublier tout continue à abonner avec Chanel Blocus. Eh bien, pasteur, nous parlons presque dernier élément et dans quatre débats ça n'a fait là aujourd'hui. Et c'est quoi l'esprit de piété et que la Bible considérait comme une dans cette don Saint-Esprit yo? On allait. Amen. Amen. L'esprit de piété, c'est l'esprit de prière. L'esprit de piété, c'est l'esprit d'amour. L'esprit de piété, c'est l'esprit de la charité. Et là nous ouais, la charité dans 1 Corinthiens chapitre 13. Moi invité auditeur nous lit tout chapitre ça, nous est charité a, li au-dessus de toute bagaille et li couvri yon multitude de péchés. Là nous est dans 1 Corinthiens chapitre 12, nous est gain 9 dons, gain 9 dons du Saint-Esprit. Dans 9 dons du Saint-Esprit ça, nous joine don de guérison que moi-même moi gagne, ou capable reler me par téléphone me prier pour n'importe maladie ou gagne on guéri ou gon problème ou pas ca passer. Dans l'examen nursing, etc. Moi prier pour vous, moi bord des rituels de prière pour faire dans la Bible, suivant la scène de la piété, ou passer sans problème, ou débloquer, des mots qui ont persécuté là, ou tomber. Donc c'est ça la piété. En dans la piété, on veut une charité, on veut les 9 dons du ministère. L'esprit de la piété, c'est le Saint-Esprit même, qui est Dieu et qui est l'Esprit de Jésus-Christ. Donc en dans ça, on veut une don de guérison, on veut une don de parler en langue. Donc, pas de saine doctrine sans le parler en langue. Mais m'a dit le vrai parler en langue. Parce que il y a plus de monde qui a parlé en langue, c'est langue démon, c'est démon qui possède. Nous connaissons ça. Mais nous connaissons parler en langue, ils sont dons du Saint-Esprit. Même si j'ai témoin de Dieu, on ne va pas comprendre. Est-ce que l'homme n'a pas la langue, langage là, n'importe qui a comprendre ou bien son langage qui est propre, son langage céleste? Ah, son gros question posez-moi là, son gros question posez-moi là. Parler en langue, il y a deux dimensions et va éclaircir pour spectateurs ou pour auditeurs nous. Parler en langue, il y a deux dimensions. Première dimension, une dimension humaine. Dimension humaine, nous avons une des apôtres chapitre 2, côté qui apôtre et rempli du Saint-Esprit à parler en langue et tout le monde dans sous planète Terre est capable de comprendre la langue qu'il a parlé. C'est qui ça lié? C'est pasteur Condé qui remplit du Saint-Esprit la parole en langue. Mais bon Dieu besoin bay africain, allemand, japonais a un message. Li fait me parler exactement la langue japonaise. Japonais a comprendre bien ça m'a dire. Parce que bon Dieu voulait parler japonais. Mais non,
parler deuxième dimension parler en langue nan, nous gè langue des anges. Donc moun ka parler en langue nan, li pa parler avec les hommes, mais li parler avec bon Dieu directement. Et lui même c'est en esprit l'a dit des mystères de bagaille qu'on pas comprendre. C'est ça que fait bon Dieu clair dans 1 Corinthiens chapitre 12 là, il parlait de don interprétation des langues. Ça veut dire dans l'esprit de piété qui c'est le Saint-Esprit, il fait bagaille propre. Il pas fait seulement et pour nous parler en langue et nous personne pas comprendre, mais il bail don interprétation. Capable gagner un monde, un frère qui rempli du Saint-Esprit tout pendant m'a parler en langue et puis lui même lui interpréter même les langues des anges m'a parlé. Li interprété dans langue créole tout le monde entendé gien droit tout moi même qu'a parler en d'autres langues nan, bon Dieu bam don interprétation pour me comprendre ça me dit pour me capable faire mon comprendre qui ça m'a dit c'est ça que fait la langue Corinthiens chapitre 14 il dit comparaison entre le don de langue et le don des prophéties dans verset 2 il dit en effet celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Ça veut dire qu'il ne parle pas à Pierre-Richard Guillaume, il ne parle pas à Jean Stevenson Condé, il ne parle pas à président. C'est un esprit là de dire des mystères. Et mais l'homme ne va pas comprendre, non? Quand il y a le bon Dieu lui-même livré pour l'homme, comprendre, bon Dieu a fait interpréter pour le bail message là-bas. Ou bien que bon Dieu a fait un monde qui a fait don d'interprétation pour interpréter. Mais monde qui ne comprend pas la Bible, qui ne pas bien le chapitre là, qui n'a pas une base théologique ou biblique solide, il dit non, de pouvoir parler en d'autres langues, il faut qu'on parle en langue humaine, que tout le monde comprenne, mais il y a deux dimensions. C'est là que nous parlons en église qui est l'église du Christ. L'église du Christ, ça a formé les États-Unis, il y a même le pot de voile, il y a même qui sont la doctrine de Jésus-Christ là, il y a même pas comprendre notion de parler en langue, il y a baptisé les gens qui sont en concubinage, il y a même eu pour qu'on s'appelle prophète encore tout, parce qu'il a fait prophète la pagaie ça. Mais ouvrent les cinq dons ministériels de l'Éphésiens 4, chapitre 11. Sous dit mon ancienne doctrine, faut comprendre ça, les cinq dons ministériels. Yo. Et faut qu'on comprenne les neuf dons du Saint-Esprit qui vient parler en langue dans la donne. Ça veut dire, si yon moun, ou rejeté parler en langue, ou dit que ça, donc bon, de vous parler en langue, faut qu'on comprenne ou pas qu'à parler en langue des anges. Donc, ou limite bon Dieu. Ou voulez faire comprendre bon Dieu, c'est celle créole allemande qui a fait moun parler, non? Bon Dieu, qu'a faut parler langue des anges. Parce que langue ange yo parle yo. C'est pas lui même nous même humains nous parler. C'est ça que fait les moun nan li gen loi. Loi ka parle en langue, pas comprendre. C'est ça que fait gon dame qui est Béatrice, il toujours parler des langues atlantique taïno. Langue atlantique taïno, ce sont des démons rempli avec eux, des esprits atlantique taïno. Mais est-ce qu'on comprend les la parler langue atlantique taïno? C'est toujours même langue ni parler, mais là il parle en langue des démons. Li pas parler en langue de Dieu, langue vraie ange de Dieu. Mais moun qui rempli avec cet esprit tout bon, qui dans la saine doctrine de Jésus-Christ, qui dans l'esprit de piété, qui dans la saine doctrine de la piété, yon rempli du Saint-Esprit, yon parle en langue. Moi-même, moi par contre, parle en langue, j'ai un don de guérison, j'ai un don de sagesse et d'intelligence, j'ai l'autre don spirituel. Moi par contre, parle en d'autres langues. Mais j'ai un peu de monde, moi connais des frères haïtiens et dominicains, des sœurs, à l'étranger, comme ici, en Haïti, qui ont don parler en langue, yon parle en langue. Mais depuis que moi, je viens parler en langue, de mon bon côté, moi j'ai l'esprit de discernement, je comprends. Qui ont bagué cet esprit de Dieu. Des fois, vous avez une fausse révélation, vous avez dit, bon Dieu dit, vous ne pouvez pas arriver sur moi parce que vous avez cet esprit de bon Dieu dans moi. Jésus-Christ a montré que vous n'avez aucun esprit de Dieu dans vous. C'est ça que fait, dans 1 Jean chapitre 4, il dit, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais sont des leurs pour savoir s'ils sont de Dieu. Donc, c'est ça. Donc, où elle dit, car personne ne le comprend, et c'est un esprit qui dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Moun ka prophétise, il parle avec l'homme pareil, il parle dans langage pour comprendre. Mais moun ka parle en langue, c'est à bon Dieu la parole pour comprendre. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'église. Moun nan doit parler en langue ou pas comprendre ça, l'a dit. Il édifie propre tête. Il parle en langue, il a même prié en langue, l'a dit bon, 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 la prière en langue, il édifie propre tête. Donc, ou pas besoin de connaître ça, l'a dit. Mais si bon Dieu lui-même, bon Dieu veut qu'on ait le bon message pour la faire interpréter langue pour comprendre. Donc, ou édit mon nan li édifié tête li parler à bon Dieu directement. Donc c'est très important pour auditeur comprendre, ou comprendre et le phénomène du parler langue qui sont dons du Saint-Esprit. Donc et si nous retournons dans le ministère dans l'esprit de la piété, c'est ça? Oui, tout à fait. Si nous retournons dans le mystère de la piété, nous dit que la piété l'orgueil, l'esprit de la piété, l'orgueil, l'amour, l'orgueil, charité, l'orgueil, les nerfs dans de l'esprit. Et puis tout nerfs dans de l'esprit, ça a eu les fruits de l'esprit.
les fruits de l'esprit du Galates 5, verset 22. Ou après, de bénignité, douceur, patience, tempérance, etc. Même genre, ou gen 9 dons spirituels là, ou gen 9 fruits de l'esprit. Dons spirituels, c'est qui ça, oui? C'est manifestation surnaturelle de Dieu, la caille en croyant. Et chaque croyant gen dons spirituels. Mais faut qu'on produit fruits de l'esprit. Donc, c'est pas dons spirituels qui peut le faire sauver, mais c'est fruits de l'esprit qui peut le faire sauver. Fruits de l'esprit, c'est qui ça, oui? Ils ont déterminé caractère de Dieu chez le croyant. Ça veut dire que Jésus-Christ dans où Jean-Claude chante dans l'église, il dit Jésus vive dans moi. Ça veut dire Jésus-Christ vive dans où ou pas égoïste, ou pas parler monde mal, ou pas gain amour de l'argent, ou vit ou pas en adultère, ou gain Jésus-Christ qui vient vivre dans où. Donc là c'est ça. Donc y a monde qui gagne don spirituel li a parler langue là, etc. Ça fait en pile femme. Yo fait tête yo passe pour pasteur pour prophète parce que yo gagne don spirituel, mais l'on a regardé monde là où elle pas aucun fruit spirituel du tout. Donc bon Dieu pas chercher moun ki gen don spirituel, mais la chercher moun ki bay fruit spirituel. Lò gen don spirituel là c'est bien. Ou est en pile nèg gounya. Yo apprend parler langue même, yo t'apprend quelque démon dans l'autre langue hébreu etc. Depuis yo mayon micro y a prêché, yo tombé bibi baba baba bobo. Kone on comprend nèg sa son nèg spirituel parce que les hommes li renmen côté gen gros bruit pour tout ça son gros homme de Dieu, mais lò a regarder la vie moun non elle plein péché. Ça veut dire c'est pas don spirituel là qui peut faire que rentrer dans le royaume ciel là, mais c'est fruit que au balogue caractère bon Dieu dans où et pour être dans sa relé l'esprit de piété qui c'est le Saint-Esprit de Jésus-Christ et la sainte doctrine. Donc ouais, son dévotion totale, l'esprit de piété c'est l'esprit de la dévotion totale. Donc on prie tout le temps dans 1 Timothée chapitre 2 verset 1. Il dit j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Et puis dans l'esprit de piété à tout, il faut confesser Jésus-Christ parce que si vous avez l'esprit de piété, faut confesser Jésus-Christ parce que l'esprit de piété à, c'est Jésus-Christ même. Et on connaît que car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Ça veut dire on connaît que seul médiateur qui gagne entre bon Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, on pas parler dans maman Marie, on pas parler dans l'autre doctrine. Monde qui a l'esprit de piété, li gen cet esprit là, il pas ka dans l'église catholique, li pas ka dans mormon, li pas ka dans témoin Jéhovah, li pas ka dans adventiste, parce que l'esprit de piété ka dans li a dit adventiste ça sont fausses doctrines, sont fausses prophéties que mettent là. Et on voit tout le monde qui sont dans l'église adventiste qui dans sabbat ça, yo dans sexe Sylvain Ramsey, parce que depuis dans l'église adventiste Satan t'a pourri les dans farine, yo pas gen l'esprit de piété. Dans 1 Timothée 2 verset 8 là, l'abdou je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures sans colère ni mauvaise pensée. Sou gen l'esprit de piété, ou a prier. Tout temps ou a prier, ou pas ka a fè kolè, ou pas ka gen mauvaise pensée, ou pas ka nan adultère, ou pas ka nan fè zak, ou pas ka nan vol, ou pas ka nan tout bagay. D'accord. Bon, mando ça. En 30 secondes pour tout finir pour nous pasteur. Et nan l'église, gen l'église, ba konnen ka pratike et saine doctrine nan a parler, yo parler de Saint-Esprit. Gen l'autre l'église même parler de Esprit Saint. Est-ce que c'est même bagaille? Ben, moi, réponse en 10 secondes pour nous tout finir. Ok. L'on dit Saint-Esprit ou dit Esprit Saint, c'est la même chose. Yon seul bagaille, soit gade dans la Bible, c'est bon, qui est très théologique, ou ap capable de faire différence entre l'Esprit Saint ou Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu qui est le souffle que Dieu lui-même lui a soufflé dans l'homme. L'Esprit Saint, ça, on peut l'écrire avec un grand E et S là, on peut l'écrire avec S majuscule. Ça, c'est l'Esprit Saint. C'est ça que fait l'abdi, mais l'esprit dit expressément. Dans 1 Timothée chapitre 4, l'esprit dit expressément, ou après l'esprit ça, il écrit avec un grand E, la parole de Saint-Esprit. Et puis, ou après la parole de esprit séducteur, ça veut dire que les gens qui ont un esprit séducteur, la doctrine des démons, ou après l'esprit ça, l'écrit avec un petit et petit. Petit et petit ça, il traduit des démons, parce que les démons, c'est esprit et tout. Mais petit et petit ça, selon Jean, il dit dans la Bible, ou après il traduit le souffle de l'homme. Donc si nous allons dans nous va être en prison non pasteur. 10 secondes pour tout finir pasteur. Et puis bye téléphone. N'a fini rapide là. N'a fini rapide là. Si nous allons là pour nous clôturer dans le mystère de la piété, à wap wè, là dit nous les devoirs des femmes, ou gen esprit de piété ces femmes ou pas ca pasteur, ou diac l'église ou pasteur wap go sel madame, ou paquet bagay wap suivi dans 1 Timothée chapitre 3 wap venir. Dans 1 Timothée 3 verset 16 là, l'a dit et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair justifié par l'esprit, ou après esprit ça, il y a avec E majuscule Sam Abdullah, c'est le Saint-Esprit, vu des anges,
prêchez aux gentils, couille dans le monde, élevé dans la gloire. Ça, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui t'est mouru pour nous, sous l'esprit de piété ou après dans les. Donc, c'est ça. Et quel que soit le monde qui a un problème en quelque sorte spirituel, nous, là, nous attendons nous. Pour capable d'entrer en contact avec nous, quel que soit le problème ou gagne, on besoin d'orientation, ou bon question, ou une suggestion sur émission ça aujourd'hui, nous l'adaptons nous sans problème, ou malade, ou gagne des problèmes spirituels, n'aborde des conseils bibliques avec qui j'en pour prier pour combattre Satan sans problème. Notre numéro, c'est le 829-277-3857. 829-277-3857. Nous avons un autre numéro, c'est le 829-219-6614. Ou qu'à contacter nous dans le numéro ça, sur WhatsApp, vous pouvez nous dire quoi, vous nous sans aucun problème. Donc, nous saluons les pays ici, dans le travail passé, dans la situation, dans le mariage, dans les autres, tout ça, nous changeons, nous toujours qu'un bon dans la prière, quel que soit côté, nous tous ces haïtiens, vive Haïti, toujours bien unis. Donc, nous connaissons, nous sommes toujours là et nous sommes capables de rencontrer pour l'autre émission. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons porté victoire. Amen, amen et amen. Bon Dieu bien nous, PRG. Merci un peu, le pasteur Jean-Stevenson Condé. Bon Dieu bien nous tous. Merci du fait que tu as accepté de répondre à la question de Jodia. Merci à Balbito. Amen, amen. Merci à Balbito qui t'a réalisé l'émission. Ça. Merci à vous tous et à vous toutes qui t'avez gardé nous, qui t'avez tendu nous. Partout dans le monde, merci à tout le monde qui toujours dit nous yon remè blocus en pile, yon pas qu'à vivre sans blocus. Et bien, pas oublier pour commenter, critique, suggestion, canal, et toujours écrit nous dans 37 62 47 95 37 30 37 62 47 95 et dans le numéro ça pour écrire nous. Pas oublier abonner avec Chanel Blocus 100, pas oublier tout parallèlement à l'abonner avec chaîne YouTube PAM, qui c'est Pierre Richard Guillaume Info. Pour te présenter au blocus, ce qu'on a déjà dans Mikwa non PAM, c'est Pierre Richard Guillaume, que tout le monde connaît ce nom, P. RG. Bonsoir politiquement, socialement et économiquement. Merci d'avoir choisi Radio Télestorm pour vous servir la tempête de la vérité, de l'équilibre et du professionnalisme. Bonsoir spirituellement et bibliquement. Au revoir.